Les urgences débordent un peu partout au Québec. Puis j'ai fait un ACV, moi, il n'y a pas longtemps. Puis ça avait été le soir, bien, aurait fallu que j'aille à Sainte-Agathe ou à Mont-Laurier. Puis c'est bien trop loin, je serais mort. Nos vies comptent, peu importe, même s'il y a moins de monde, il reste que nos vies comptent. Le taux d'occupation dépasse actuellement la capacité maximale dans plusieurs hôpitaux, à Montréal, à Laval, en Montérégie, mais également dans les Laurentides, où la situation est particulièrement difficile. Les patients qui sont placés sur une civière devront patienter près de 21 heures avant de pouvoir voir un médecin. L'ensemble des urgences au Québec, puis les Laurentides, dont il ne fait pas exception, sont quand même très achalandés en cette période de l'année. C'est une situation qu'on connaît d'année en année. La situation se stabilise, par contre, pour nous, au nord, là, à Mont-Laurier, Rivière-Rouge, la situation est plus stable là, dans les dernières heures. Alors que les établissements en soins vivent une période difficile un peu partout, les résidents de Rivière-Rouge, eux, se retrouvent en bris de service en permanence. L'urgence de l'hôpital sera fermée pendant la nuit à compter du 1er février prochain. Le CIS des Laurentides affirme que personne ne sera laissé sans service car des protocoles ont été établis pour que les personnes nécessitant des soins urgents soient redirigées vers les hôpitaux de Mont-Laurier et de Sainte-Agathe-des-Monts, des déplacements qui représentent 60 km. Malgré cela, une pétition a été lancée et a déjà récolté plus de 5000 signataires. C'est un petit peu absurde comme situation, comme discours, parce qu'on sait que la rapidité d'intervention dans les besoins de santé urgents, c'est nécessaire. Donc, emmener des gens à 1 heure de route, 1h15 de route de Rivière-Rouge, ce sont pas de Rivière-Rouge, mais si on part en périphérie ou en des petites municipalités plus loin, on est en attente d'ambulance qui peut prendre entre 20 et 30 minutes pour se rendre, revenir à Rivière-Rouge pour par la suite partir vers les grands centres, on est hors délai. Donc, chaque minute compte pour la santé. Les patients qui ont des problèmes de santé mineurs sont invités à se rendre dans des cliniques à proximité pour désengorger les urgences. Sam Sarah-Rainville, TVA Nouvelles, Montréal.